Comme une auto roule sur l'or à Montréal, le service d'autopartage va connaître une expansion importante dans la métropole. Pas moins de 1100 nouveaux véhicules doivent prendre la route. D'ailleurs, la mairesse croit qu'il est maintenant possible de vivre sans voiture avec deux jeunes enfants. Andy Saint-André. Comme 14 % des ménages montréalais, la mairesse utilise le service d'autopartage comme une auto. Ça se fait d'avoir deux jeunes enfants, là, sont grands, mais sans avoir une voiture, mais il faut avoir des options. L'entreprise est en pleine croissance. La demande, semble-t-il, est forte. 1100 nouvelles voitures seront ajoutées sur les routes en 2024. Je vais vous dire qu'en ce moment, la croissance, je trouve ça vertigineux. De ce nombre, 70 seront des mini-fourgonnettes et 85 seront électriques. On a un problème d'approvisionnement. On fait comme tout le monde, on fait la file. Quand on voit qu'une commune auto retire 10 véhicules de la circulation, l'objectif, c'est de multiplier l'offre d'autopartage d'abord et avant tout. L'annonce de lundi a eu lieu à Lachine. Ce n'est pas anodin, car le service Flex sera maintenant disponible dans l'arrondissement, donc pour des déplacements du point A au point B. Les véhicules doivent être garés à l'intérieur de zones précises. La demande est particulièrement forte ici, à Lachine. De nouvelles stations fixes verront aussi jour dans des secteurs moins bien desservis. Dorval, Quartierville, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord ou encore Bois-Franc. Il y a beaucoup d'autos, des fois, qui ne sont pas disponibles. Justement, nombreux sont les utilisateurs qui sont mécontents de la disponibilité des véhicules de commune auto. L'enjeu auquel on est confronté, c'est plus un enjeu souvent de vandalisme. Nos voitures sont lavées régulièrement. C'est là-dessus qu'on reçoit le plus de plaintes avec les problèmes de disponibilité la fin de semaine. L'année dernière, à Montréal, les utilisateurs ont effectué près de 3 millions de réservations pour un total de 95 millions de kilomètres. Andy Saint-André, TVA Nouvelles.